Eh bien, il y a 2000 ans, à Jérusalem, ce bandit a reçu de la bouche même de Jésus la certitude qu'il allait être avec lui pour l'éternité dans le paradis. C'est la meilleure chose qu'il pouvait entendre. Puis, je veux dire, il était pas... Il pensait jamais entendre une chose comme celle-là avec la vie qu'il avait vécue. Peu importe la vie que vous avez vécue, que nous avons vécue, la grâce de Dieu vient nous chercher là où nous sommes. Et Jésus a accepté d'aller sur cette croix justement pour prendre nos propres péchés, mes péchés, vos péchés, et d'en subir le châtiment. Il l'a fait pour ce bandit, il l'a fait aussi pour vous. Si vous voulez, comme ce bandit, expérimenter cette certitude de votre salut, venez à lui, tournez-vous vers lui, comme il l'a fait. Il s'est simplement tourné vers Jésus et lui a dit « Souviens-toi de moi ». Dites cette simple prière à Jésus et vous allez voir que vous allez avoir dans votre cœur la même assurance que lui a eue ce jour-là. C'est pour ça que nous existons à l'heure de la bonne nouvelle, pour vous présenter un Sauveur si merveilleux. Si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez nous écrire. Dans un instant, vous allez voir nos coordonnées et vous pourrez nous téléphoner ou encore nous écrire par courriel ou par courrier ordinaire. Eh bien, on se donne rendez-vous pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle la semaine prochaine. Thank you.